Aurélie Huga, bonjour. Vous êtes chargée de promotion des programmes à BEM Bordeaux Management School. Pourriez-vous nous parler de l'Executive Wine MBA en part-time, qui est donc un programme un peu particulier puisque spécialisé dans le vin? Oui, bonjour. Le Wine MBA donc a été créé du fait des mutations de l'industrie du vin. On s'est rendu compte qu'on avait un énorme besoin de managers capables d'être flexibles et de s'adapter aux évolutions du marché liées à la concurrence internationale qui s'est accentuée. Et donc, c'est pour cela qu'en 2001, le Wine MBA a été créé donc, au sein de BEM afin de mettre de plus en avant l'expertise de BEM dans le milieu du vin et des spiritueux. En quoi consiste donc ce programme? À qui s'adresse-t-il plus particulièrement? Donc ce programme s'adresse à des personnes déjà titulaires d'un niveau bachelor avec une expérience professionnelle de 5 ans dans le milieu du vin, ou bien des personnes qui ne sont pas du tout familières avec le milieu du vin mais qui ont déjà un projet très à court terme précis lié au vin et au spiritueux. Par exemple, quels peuvent être ces projets et quels sont les débouchés? Alors, toutes les fonctions managériales du secteur du vin, aussi bien les fonctions commerciales que marketing, que financières. C'est vrai qu'on a une population qui est très hétérogène, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent des zones soit Europe, soit d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, de plus en plus d'Asiatiques aussi qui s'intéressent à ce secteur d'activité, puisqu'il y a un gros développement dans ce milieu.